La vie, oh. Comment dire quoi? Ça, c'est ça la force d'un gars qui a voyagé. Un homme qui a fait le désert. Ce n'est pas n'importe qui, hein? Ce n'est pas n'importe qui, hein? Un homme qui a traversé le désert. C'est un sac de gars. Ah oui. Merci, merci à tout le monde. Merci à toi, Emani, Emani. Ton frère se porte bien. Voilà. Ton frère se porte très bien. Merci à tous ceux-là qui m'ont souhaité une prompte guérison. Je dis merci à tout le monde. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui des mauvais parents. Voilà. Nous allons parler des mauvais parents. Le comportement des mauvais parents. Et le comportement des mauvais parents affecte automatiquement les enfants. Voilà. Est-ce que vous avez compris, Mboutman, Monsieur Dubois Kameni? Le comportement des mauvais parents affecte automatiquement les enfants. Donc partagez le direct parce que nous allons parler. Donc je vais prendre un exemple pour un cas, pour quelqu'un qui est plus connu, parce qu'elle était la maman d'une star, c'est-à-dire la maman de Didier Arafat. Je vais prendre l'exemple sur elle. Voilà, je vais prendre l'exemple sur elle parce qu'elle est plus connue. Et pour attirer l'attention des parents qui se comportent mal avec leurs enfants, il faut qu'on dise la vérité parce que les gens font de l'hypocrisie. Les gens font un peu ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Et il y a les parents qui se comportent mal. Mais il ne faut plus que les parents qui se comportent mal là, on les laisse en maudit. Parce que votre mauvais comportement affecte automatiquement la vie de vos enfants. Et ça amène vos enfants à stresser, à déprimer. Et après ça va au suicide. Après ça passe au suicide. J'ai vu une vidéo de feu Didier Arafat faire à son âme, à côté de son papa. Son papa était un homme accueillant, sympa, éduqué. Il se comportait bien. Il se comportait très bien. Voilà. Il se comportait très très bien. Mais pendant ce temps, sa maman se comportait très très mal. Et je pense que c'est cette maman-là qui a traumatisé cet enfant. Parce que quand vous écoutez dans la vidéo de cette dame, elle dit ceci. Les amis de Didier Arafat s'étaient accaparés de mon enfant. Ça veut dire que l'enfant fuyait sa maman. L'enfant fuguait. Comme on dit en français, l'enfant fuguait. Et nous devons éviter que nos enfants fuguent. Parce que quand un enfant commence à fuir le chez eux, quand un enfant commence à fuir son parent, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'il y a certains gens qui ne veulent pas dire la vérité à cette dame. Cette dame traumatisait son enfant. Et on en trouve ici chaque jour, matin, midi, soir, des parents qui traumatisent leurs enfants. Et ne te plains pas demain si le pire arrive à ton enfant et que ton enfant ne vienne pas vers toi. Non, il faut que tu vois ton comportement. Surtout quand ton enfant devient déjà important. Naturellement, normalement, on doit respecter tout un chacun. Mais quand ton enfant devient déjà quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un là, tu sais, dans la pauvreté, il y a un adage qui dit ceci. Quand tu es pauvre, tu appartiens à ta famille. Dès lors que tu réussis, tu appartiens à ta communauté. Donc quand tu as échoué dans ta vie, tu appartiens à ta famille. Mais quand tu as réussi, tout le monde s'encapare de toi. Et ce qui est sûr et certain, si tu éduques bien ton enfant, quel que soit son rang social, il ne peut jamais te fuir. Il ne peut jamais te fuir parce qu'il va tout connaître que ah, papa est là, maman est là, pendant les bons et les mauvais moments. Et nous devons tous éviter de tomber dans la même situation de la maman de Didier Arafat. Parce qu'il faut dire la vérité, quand tu écoutes, quand tu vois cette dame faire, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Et il faut qu'on dise la vérité à cette dame-là, qu'elle fait partie des gens qui ont traumatisé le vivant de son propre enfant. Parce que parfois, on veut accuser les autres personnes. On cherche les brebis galeuses partout pour leur donner le tort. Non. La première personne qu'on doit accuser dans la vie de Didier Arafat, c'était sa propre maman. Et il faut qu'on dise la vérité.
Le péché, c'est le péché. Le mauvais comportement, c'est le mauvais comportement. Même si la personne est déjà morte, il faut dire que non, c'est toi. Il faut dire que non, c'est toi là qui fais partie de ces gens-là qui étaient une menace pour ton propre enfant. Et les gens ne disent pas la vérité à cette dame. Regardez comment on l'invite l'autre jour dans une chaîne de télévision. Après la sortie de la chaîne de télévision, soit tu réponds à la télévision, soit tu fais une autre demande d'invitation. On t'invite, tu règles ton compte sur le même plateau de télé. Tu es venu pour qu'on te pose les questions. On te pose les questions, on te dit comment tu dois te comporter. Ce n'est pas digne d'une maman que son fils était une personne célèbre qui se comporte mal, qui répond à tout le monde. À un moment de la vie, on ne répond plus à tout le monde. Regardez comment sa grande-maman se comporte bien, la grande-mère de Didier Afat. Regardez comment cette maman-là se comporte bien. Et je suis bien sûr que, avec la fondation de Didier Arafat, vous allez voir que si c'est cette maman-là, cette dame dont on appelle Madame Tina-là, si c'est elle qui est devant, l'histoire-là va se gâter un jour. Parce qu'elle veut faire ce qu'on appelle de la récupération. Elle veut faire ce qu'on appelle de la récupération. Oui. Pendant ton vivant, pendant le vivant de ton fils, ton fils n'était pas là. Il n'était pas avec toi. Tu tirais sur lui chaque jour. Vos problèmes de famille vous amenaient sur la toile. Mais oui. Et je pense que quand on rate l'éducation de son enfant, on ne doit pas en vouloir à l'enfant. On doit en vouloir à soi-même. C'est comme moi demain. Si mon enfant se comporte mal, je dois faire l'effort de me taire. Parce que ça m'incombe. C'est mon devoir que j'ai échoué. Parce que aucun ami ne peut influencer sur son enfant, si bien que l'enfant abandonne son parent. Si tu vois un enfant qui fugue derrière le chez eux, il va ailleurs, ça veut dire qu'il manque quelque chose chez soi. À l'époque, nous, on est partis dehors parce qu'on manquait beaucoup de choses au Cameroun. Mais aujourd'hui, pourquoi on reste au Cameroun? On reste au Cameroun parce qu'on a de quoi vivre. L'espace, on a aménagé l'espace qu'on peut vivre, on peut dormir en paix sans déranger quelqu'un. On roule carrosse. On a bonne voiture. C'est tout à fait normal. On part ailleurs quand on n'a rien. On va ailleurs quand on n'a rien. Vous allez même voir dans la vie, c'est l'enfant du pauvre qui a beaucoup de papa, qui a beaucoup de maman. Parce que partout, là-bas, c'est le père là qui lui donne la main pour se coiffer. Là-bas, c'est papa là qui lui donne la chaussure. Là-bas, c'est papa là qui l'achète souvent les habits. Alors que c'est rare de voir un enfant bien élevé, que ses parents, pas riches, hein, pas surtout la richesse, parce que la richesse vient après. C'est rare de voir un enfant que ses parents se sont occupés de lui bien. Monter une autre personne comme son père, c'est rare. C'est rare. C'est rare, c'est l'enfant du pauvre qui monte tout le monde comme son père, tout le monde comme sa mère. Donc il faut qu'on évite de tomber dans ce genre de piège-là. Donnons vraiment de l'amour à nos enfants. Parce qu'il y a des gens que parce que l'enfant l'a énervé, il maudit son enfant. Non! Au commencement, c'était la parole. Mon frère, ma soeur, au commencement, c'était la parole. C'est la bouche qui détruit. C'est la bouche qui fabrique. On parle. L'essentiel, c'est la connaissance, non? Et quand tu as la connaissance, ça veut dire que tu as le savoir. Et ça se transmet comment? Par la parole. Par la parole. Donc, il faut qu'on évite de tomber dans le genre de piège de la dame là. C'est la dame là, la maman de Didier Arafat. Elle se comporte très mal, il faut dire la vérité. Et il y a beaucoup comme ça de parents qui se comportent de la sorte. Et ça traumatisme, ça devient un traumatisme. Donnons de l'amour à nos enfants à chaque instant. Si l'enfant se comporte mal, on ne doit pas en vouloir à l'enfant. On doit en vouloir qu'à soi-même parce qu'on a échoué à son devoir. On a échoué à son devoir. L'enfant part à l'école pour avoir le diplôme. L'enfant ne part pas à l'école pour devenir un être humain bien éduqué. Non. Non, 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 non. Quand tu es mal élevé, dehors là. On appelle que le nom de ton père, on appelle le nom de la mère. On n'appelle pas le nom du maître ou le professeur, non. Parce que tu passes tout ton temps avec tes parents chez toi. Donc on doit se poser les questions quand nos enfants se comportent mal. Et quand vous voyez la vie de cette maman là, elle a traumatisé son fils. J'ai vu une vidéo, le père de Didier Arafat est là, Didier Arafat est là, lui-même il se plaint que non, on a partagé une photo de sa maman, elle est en train de faire bisous à un autre homme. Alors que son père est encore vivant.
où est le respect? Ça traumatise quelqu'un parce que tu es déjà une personne importante. Nous tous, nous sommes importants, mais on n'a pas les mêmes missions. Nous tous là, nous sommes la créature de Dieu. Mais Dieu ne nous lègue pas les mêmes tâches et les mêmes missions sur terre. Donc, de grâce, apprenons à donner vraiment du vrai amour à nos enfants. Et je dis bien que cette dame-là, si elle est présidente de la Chine, l'histoire-là va se gâter. Parce qu'elle a ce qu'on appelle un parti pris. C'est elle-même qui insulte les gens, c'est elle-même qui se comporte mal, mais c'est elle-même en retour qui dit que le vrai Chinois est celui-là qui n'insulte pas les gens. Regardez le comportement de sa grand-mère, la grand-mère Didier Arafat. Elle est réconciliatrice, elle est neutre. Elle est neutre. Et elle passe son temps maintenant, bien beau. Didier Arafat, avant de mourir, ne parlait plus avec son Ariel Chené. Mais quand on regarde de tout ce que Didier Arafat a formé, qui peut représenter vraiment Didier Arafat? C'est Ariel Chené. Qui peut vraiment honorer Didier Arafat? C'est Ariel Chené. Je pense que la mort fait à ce que on se réconcilie mieux dans une famille. L'enfant est parti sortir une chanson. C'est bien beau. Mais tu n'as pas besoin de l'insulter. Dis comment il n'aura jamais le talent de ton enfant. Mais non. Tu n'es pas Dieu, madame. Et le problème, c'est que tu veux faire ce qu'on appelle de la récupération. La manière que tu te comportes, c'est comme si toi-même, tu veux venir chanter. Non. 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 Et c'est le pourquoi tu ne t'entendais pas avec ton fils. Parce que tu as les mêmes goûts. Tu veux absolument faire comme une bébé. Tu veux encore être devant les yeux du monde. Alors qu'il n'y a rien de beau. Si ton fils prend ta place, ça veut dire que tu as mérité. Moi là, si je commence, si mon enfant commence à faire certaines choses, je quitte. Je quitte, c'est clair. Je suis content. Tu peux être ton fils, il connaît conduire. Il est un bon chauffeur, tu connais. Mais c'est toi qui es au volant, c'est quoi? Tu l'as accouché pour quoi? On accouche les enfants pour faire ce qu'on appelle la continuité. Pour faire ce qu'on appelle la continuité. Pour nous remplacer. C'est le pourquoi on dit qu'en fait l'être humain ne meurt jamais. Pourquoi? Parce que nous avons les enfants qui portent même nos noms. On a les enfants qui nous ressemblent physiquement. Qui se comportent comme nous. Et c'est une grâce. Dans la vie, si tu as essayé de faire quelque chose dans la vie et que ton fils vient bien le faire. Voilà Tshisekedi au Congo. Son père était opposant pendant les années. Aujourd'hui, son fils est président. Ça veut dire que le fils n'a pas trop travaillé. Le fils a juste accompli la volonté de Dieu et la volonté de son feu père. C'est tout. Mais on voit les mamans qui veulent toujours être là. Les parents qui veulent toujours être devant. Non, ce sont des mauvais parents. Mon frère, écoute-moi bien. Toi qui es de la diaspora, là. Ma mère ne voit jamais l'un de mes amis. Elle vient s'asseoir à côté. Partage tous tes biais là-bas. On dit que voilà l'ami de Mbanga diaspora. Voilà son frère avec qui il vit dehors. Ma mère ne passe pas à côté de toi. C'est pourquoi j'aime ma mère. Dis que... Crier là-bas, donner tous les champagnes du monde. Ma mère, elle passe là, en Banga là-bas, là où elle habite là. Non, voilà l'ami de ton fils. Attends, ça fait quoi? Souvent, ma soeur me dit que voilà même l'ami de ton fils. Mon ami, si tu viens là chercher à la maison, elle te reçoit. Mais pas que parce qu'on dit que voilà l'ami de mon fils qui est en train de donner les biens. Mais on voit les parents qui s'invitent. Ça, c'est un manque de respect envers votre enfant. Comporte-toi bien. Quand ton enfant a réussi, tu auras tout ce qu'il veut. Parce qu'il reflète toi. Quand tu te comportes mal, ça se reflète en ton enfant. Quand tu te comportes bien, même ton enfant va comprendre que ton importance. Mais quand tu es vulgaire, là, tu ne fais pas du poids devant ton enfant. Même les paroles, même le comportement ne convainc pas les amis de ton enfant. En ce moment-là, tu rebelles ton enfant. Il commence à te détester. Parce que tu es vulgaire. Tu es grossière. Et ce n'est pas une bonne chose. Et ça traumatise l'enfant. L'enfant veut toujours, a toutes les tendances suicidaires.
L'enfant a d'où les tendances suicidaires parce qu'il est traumatisé par son parent. Donc de grâce, les gars, mes frères, donnons de l'amour à nos enfants. Vous savez, en fait là, ils sont ce qu'on appelle le fruit de notre amour. Ils sont nos plaisirs. Et s'ils sont frustrés, ils nous fuient. Ils nous fuient, ils vont ailleurs. Ah oui, ils vont se faire une autre famille ailleurs. Je dis bien que quand tu t'occupes de ton enfant, il a de la peine à dire que tel c'est mon père. Soit peut-être, même en Afrique là, comment on dit qu'on appelle tout le monde papa, maman là? C'est rare, il y a les enfants là que les parents se sont bien occupés d'eux là. C'est rare qu'eux ils appellent quelqu'un d'autre que voilà mon père. C'est les enfants, les orphelins que le père est mort vite et le père n'avait rien fait. Que vous voyez, il a beaucoup de pères partout. Vous avez vu un enfant qui est bien éduqué, présenter quelqu'un comme son père? Vous avez vu quelqu'un qui est bien éduqué, que le parent a vraiment assumé son devoir de parent? Aller ailleurs, montrer quelqu'un de voir son père. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 c'est rare. C'est rare. Donc, mes chers frères et sœurs, apprenons à donner de l'amour. Et je vois comment le monde est injuste. On donne trop de l'audience à cette femme-là. Oui, tu es la maman de Didier Arafat, mais il faut qu'on te dise la vérité. Tu fais partie de ceux-là qui ont traumatisé ton propre enfant. Tu fais partie de ceux-là qui ont traumatisé ton propre enfant. Et ce n'est pas une bonne chose. Et jusqu'ici là, tu continues à enterrer l'enfant là. Et de grâce, il faut donner la place à ta grand-mère. Parce que ta grand-mère est réconciliatrice. Elle est attirante. Elle se comporte bien. L'enfant est déjà mort. À un certain moment, on répond à certaines personnes par un silence. Par le silence. Il y a des gens qui crient. Tu te calmes parce que tu es la mère. On dit bien que Didier Arafat, c'est une légende en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi la mère de Didier Arafat doit crier beaucoup? Surtout que c'est une maman qu'on la connaissait même depuis. Elle faisait aussi dans la musique. Et de grâce, Dieu a fait à ce que ton fils devienne aussi un grand artiste. Qu'est-ce que tu as besoin de prouver? Un peu comme nos policiers qui veulent tout bagarrer dans la rue. Comment? Tu as la protection de l'État. Tu portes la tenue du Cameroun. Tu as le vert rouge jaune là. Tu as l'arme. Pourquoi tu dois bagarrer? Est-ce que tu dois bagarrer? On dit que voilà la maman de Dieu. Attends, tu vas encore prouver à quoi? Tu réponds aux gens. Non, non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Plus tu réponds, plus tu sors l'enfant là de l'histoire. Tu continues encore à le tuer. Le seul moment où Didier Arafat peut vivre bien, être pu se lever, c'est quand sa mère se tait. Sa mère doit apprendre à se taire. Mais comme elle est matérialiste, elle poursuit les choses. Elle veut être partout parce qu'elle sent l'argent. Elle aime l'odeur de l'argent. Et c'est pourquoi tu vois, elle ne s'entend pas trop avec l'autre, son soi-disant oncle. Lui aussi, c'est un autre. Pour moi, j'appelle les pasteurs les faux pasteurs. C'est un autre pasteur qui cherche aussi l'audience. Il veut ce qu'on appelle l'audience. Et comme la maman de Didier Arafat est friante d'argent, lui aussi, celui-là, est assoiffé de certaines choses. Il veut absolument se positionner. Et comme les deux aiment les mêmes choses, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut qu'elle frappe celui-là. Il faut qu'elle frappe celui-là. Mais oui, il faut qu'elle tire que c'est celui-là. Parce que vous voyez, si vous voyez dans une famille, deux personnes bagarrent toujours. Soit l'autre est pour, soit l'autre est contre. Soit, la majorité des temps, ils regardent les mêmes choses. Donc absolument, on doit éliminer un. Parce que l'autre fait de l'ombre. Et la chance et l'avantage qu'elle a sur son oncle là, c'est qu'elle est la génétrice de Didier Arafat. Voilà ce qui fait la force de cette dame. Mais en fait, elle n'est pas crédible. Elle n'est pas une maman crédible. Arrêtez ça, d'aller sur sa page. Non, maman, non, non, non. Elle n'est pas digne. La maman de Dieu, la maman de l'autre vit encore. De Michael Jackson, je pense. La maman de Michael Jackson vit encore. Ah oui. Sa maman vit encore. Est-ce qu'elle parle? Elle ne parle pas. À cause de son comportement, Michael Jackson, en mourant, avait déjà légué presque 80% de ses biens à sa maman. Et faites attention, il n'a presque rien laissé
à son père. Pourquoi? Parce que son père aussi, c'était un homme qui insultait constamment son fils. Un parent n'insulte pas son enfant. Un parent éduque son enfant. Et je suis sûr que si c'était chez les Blancs, si le Didier Arafat, dont elle dit qu'elle l'aimait beaucoup là, si cet enfant-là vivait, on lui mettait devant un testament. Et si c'était comme chez les Occidentaux, dans les pays développés là, je suis sûr et certain que ce garçon devait déshériter sa mère. Il faut qu'on dise la vérité. Je suis sûr que ce garçon-là devait déshériter sa mère. C'est dangereux quand un enfant prend dans ses amis comme sa famille. C'est dangereux quand un enfant prend dans les autres personnes comme sa famille, alors que sa maman vit encore. C'est dangereux que quelqu'un prenne sa grand-mère comme sa mère. Non. Non, 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 non. C'est normal que mon père, mon enfant aime mon père. Mais pas plus que moi quand même. Pas plus que moi. Ah oui, arrêtez ça. C'est la vérité. Si ton enfant commence à te détester et aime sa grand-mère, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez un monsieur comme Didier Arafat, il parlait toujours de sa grand-mère. Il parlait toujours de sa grand-mère. Pourquoi? Parce que sa grand-mère était amour. Elle se comporte comme une grand-mère. Elle se comportait, elle jouait deux rôles. Le rôle de maman et le rôle de grand-mère. C'est pourquoi elle a emballé le cœur de cet enfant. Mais cette maman-là, qui est la maman génétrice directe de Didier Arafat, elle est en train de foutre la merde. Elle fout la merde. Et certaines personnes l'encouragent. Alors qu'en réalité, les blogueurs ivoiriens, là, les soi-disant pasteurs Marcoso, vous devez dire la vérité, mais vous vous taisez. Vous vous taisez. Pourquoi? Une maman doit être amour. Didier Arafat est mort, mais elle continue à tuer Didier Arafat même dans la tombe. Tirer sur les amis de Didier Arafat. C'est les amis-là qui l'ont maintenu debout. C'est les amis-là qui ont arrangé ses chansons. Même s'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Même s'ils sont séparés hier. Mais il a en souvenir que voici quand même ceux-là qui ont fait de moi ce que je suis. Les gens organisent les fêtes. Elle est toujours là. Elle veut s'accaparer. Toujours affaire d'argent. Affaire d'argent. Même au vivant de ce pauvre enfant. Toujours affaire d'argent. Ma mère ne me demande jamais l'argent. Je donne quand je veux à ma mère. C'est bien beau. Un enfant qu'on enseigne, qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. Mais un vrai parent ne demande pas l'argent à son enfant. Parce que l'enfant sait ce qu'il peut faire. Mais quand vous voyez un enfant avec sa mère, avoir tous les problèmes d'argent, bagarre, non, ce n'est pas ça le vrai amour. Ça veut dire que parfois même, c'est le genre de maman qui souhaite que l'enfant meure pour s'accaparer des choses. Parce que je ne sais pas si vraiment tu as le vrai amour. Tu prends la force là-haut pour riposter à tout le monde. Si quand on a vraiment perdu quelqu'un de chair, on devient traumatisé. Mais oui. Elle dit que quand on a perdu quelqu'un de chair, il y a des choses qu'on cherche mal à la maison, on ne voit pas, on ne réclame pas. Mais oui, dans on cherche certaines choses, on ne réclame pas. Je connais des femmes qui ont perdu leur mari. Après 5 ans, elles sont toujours traumatisées. Traumatisées. Elles fuient même la chambre. Parce qu'elles pensent que le gars est toujours là. Elle ne dort pas. Elle est traumatisée. Les voitures pourrissent au parking. Je connais actuellement que vous parlez là. Non loin d'ici là. Non loin d'ici. Non, nous devons changer. Aimons-nous vivants. Aimons nos enfants vivants. Arrêtez ça, le charabia d'amour là. Donnons le vrai amour à nos enfants. La vie, ce n'est pas la marche en arrière. Il est bien bon de prendre ses parents en charge. Mais que nous nous battons pour que demain là, nous on laisse nos enfants libres à faire leur vie. Sinon, quand tu commences à envier les choses de ton enfant, tu deviens absolument un mauvais parent. C'est bien beau. L'enfant doit apporter l'aide à son parent. Mais nous devons aménager notre vie maintenant pour que nous ne soyons pas une charge pour nos enfants. Sinon, nous devenons encombrants. Et l'enfant perd l'amour qu'il a envers nous. Parce que l'amour doit être automatique. L'amour doit être réciproque. Nous, là, hier, on a eu de la peine
Aujourd'hui, j'ai de la peine. Je me bats pour que mon enfant devienne quelqu'un. Je l'éduque. C'est pas pour que lui, en retour, il vient aussi donner toute son énergie sur moi. Non, c'est pas pour ça. Pendant que je fais pour lui, j'arrange aussi le mien. Les appartements que tu construis là, dans la vie, mon frère, hein, c'est d'abord pour toi. Et il profite juste. Et il profite après toi. Mais c'est d'abord ta chose. J'ai ta vie comme ça là. C'est pourquoi j'ai tout dit dans ma vie. J'ai ta vie aujourd'hui bien. Comme si demain n'existe pas. Parce que tu ne connais pas à l'âge que tu vas mourir. Sinon, tu vas lire l'heure. Regardez bien tous ceux qui disent tout cas à la vie, vanité, les vanités. Ce sont eux qui parfois, qui n'investissent même pas. Ils croient qu'ils vont mourir demain. Souvent, Dieu les fait vivre pendant 80 ans. En mourant, ils font la honte. Ils font pitié. Pourquoi hier, ils ont tout dit que vanité, les vanités. C'est un langage que n'aime pas trop employer. Et j'aime quand c'est quelqu'un qui a même déjà cherché sa part, qui emploie ce genre de paroles-là. Vanité, les vanités, tout est vanité. Je peux abandonner la voiture ici maintenant, ici, là. Parce que c'est ma part. Je sais comment j'ai fait pour acheter. Je peux dire que vanité, les vanités. Parce que quelqu'un est venu me menacer, il veut prendre ma maison. Je lui fais cadeau. Je peux dire ça. Mais tu vas voir les gens dans la rue, sont eux qui n'ont rien. Le vélo, ils n'ont pas. Ils vivent aux dépens des gens. Moins d'erreurs. Vanité, les vanités, tout est vanité. You last, non, rien, non? Mboutman. Voilà. Royan. Voilà. Donc, voilà. Parlons un peu maintenant là. Pause publicitaire. Bah, il y a les gens là parfois. Bon, bientôt, je ne réponds plus à n'importe qui, même dans les réseaux sociaux. Il y a les gens qui sont là, même les impôts, même l'impôt libératoire ne paye pas. Voilà, voilà, voilà. Voilà le document. Voilà ce qui montre que je suis un vrai Camerounais. Et que j'ai le droit de donner mon opinion sur quoi que ce soit dans mon pays. Voilà, je suis un homme d'affaires. Voilà. Ok? Voilà mon titre de non-redevance. Mon attestation de non-redevance. Ça veut dire que je ne dois rien à l'État. Je paie mes impôts. Chaque année. Et chaque mois, je déclare. Ok? Voilà, je suis un vrai Camerounais. Pas les faux experts qui s'assient à la télévision et qui donnent leurs opinions alors qu'ils vivent aux dépens. Ils vivent de leur monde. Moi, je déteste ça. Voilà. Donc, nous avons là le Super Magic. Super Magic. Voilà. Donc, nous avons là le Super Love. Autant pour moi, Super Love. C'est pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. OK? Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Super Love. Voilà. Voilà le paquet de 10. Voici un paquet. Voilà, le petit paquet. Et dans chaque petit paquet, il y a 6 sachets dedans. OK? Dans chaque sachet, il y a... Dans chaque petit paquet, il y a 6 sachets dedans. OK? Donc, tu ouvres comme ça, là. Quand tu ouvres, à l'intérieur, il y a un tissu humide. OK? Le tissu humide, là, tu prends. OK? Tu prends le zizi comme ça, là. Dans le zizi, dans le bidat. Hein? OK? Tu emballes comme ça, là. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes. OK? Pendant les 15 minutes, là, ça sèche. OK? Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et du savon avant de passer à l'acte. OK? Le Super Love, un best-seller déjà vendu à plus de 3 milliards dans le monde entier. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en France, on a le stock en Allemagne et on a le stock au Cameroun. On a aussi le stock en Italie. Voilà. On a le stock en Italie. Donc voilà, pour tous ceux qui sont à Milan, dans le snack bar, ambassade du Co. Voilà, ambassade du Co. Donc tu mets seulement comme ça, je vous montre. Ok? Tu emballes comme ça sur le bout de ton zizi. Ok? Tu attaches, tu attends 15 minutes. Ok? Ça sèche, tu nettoies avec l'eau et du savon avant de passer à l'acte. Même si la copine ne vient pas, tu n'as pas de problème. Avec ça, tu peux taper même tes 2 heures de temps sur ton gars. Voilà. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Appelez-moi au plus 62. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Le super love. Best seller. Éjaculation précoce. Bye bye. Pour ceux qui montent sur la femme, ils tapent 5 minutes, ils versent comme le canard.
Non, mon gars, arrête de suer les hommes. Voilà, tape ta poitrine, tu es un vrai gars. Ne fais pas ça, mouvement. Bon, voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ok? Avec ça, tu réduis la consommation de lumière. À l'époque, dans ma maison, je payais au moins 120 000 tous les mois. Quand je ne payais rien. Mais depuis là, souvent ça descend 60 000, 70 000 à cause de cet appareil-ci là. C'est branché là. Tu branches seulement sur une prise. Il n'y a pas une autre procédure. Comme tu prends là, prêt à utiliser, tu branches sur une prise. Et tu vas voir dorénavant tes quittances seront moins chères. Pourquoi? C'est une technologie allemande. Tu ne voles pas la lumière. Ça refroidit les câbles dans les murs. Ok? Ça refroidit les câbles dans les murs. Vous savez, c'est quand les appareils tournent, font tourner le compteur. C'est quand les appareils tournent à la maison que les câbles chauffent. Et ça se répercute sur le compteur. Ça fait tourner le compteur tellement. Donc avec ça, ça refroidit le compteur. On appelle ça le digital server. C'est une technologie allemande. Voilà. Pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Donc nous avons là le Lily Slim. Oh, le Lily Slim. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Avec ceci-là, tu peux perdre 20 kilos. C'est un coupe-faim. Quand tu bois ça, ça réduit ta panse. Vous avez vu, non? Voilà. J'avais un gros ventre comme ça, là. Quand tu bois, tu prends les trois boîtes-ci, là. Ça réduit ta panse. Ça te coupe la faim. Tu ne manges plus assez. Et tu vas voir qu'avec le temps, ça va te broyer le ventre. Voilà. Ici, là, nous avons le produit pour l'acide urique. La suie de Eric qui est le mot scientifique de la goutte. Voilà, c'est sans gélule à l'intérieur. Wow, tu vois, parfois tu te lèves le matin dans ton au lit, tu mets le pied au sol, tu as mal au pouce, les bas des pieds font mal, ça picote, tout et tout. Vraiment, c'est les problèmes. Donc avec ceci-là, bye bye la goutte. Ok, tu bois ça, tu n'as pas de problème. Donc nous avons là le thermoflash. Nous avons le thermoflash. Avec ça, tu connais au moins la température de tous ceux qui viennent à la maison. Ça ne détecte pas le corona. Au moins, tu connais la température de tous ceux qui viennent à la maison. Donc, c'est très important. Donc, voici un appareil aussi pour nettoyer les oreilles. Tu touches sur ton téléphone et tu vois l'intérieur de ton oreille. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Que je fume un peu. Je ne suis pas l'enfant d'un président. Pardon. Ce sont mes efforts personnels. Je suis désolé pour ceux qui vont venir là dire que non, n'est-ce pas, tu as dit que Brenda Mbia fume la chicha. Mais elle est l'enfant d'un président. Elle doit faire, elle a pris le concours de l'ENAM. Donc elle doit travailler. Voilà, moi je suis l'enfant de rien. Je me suis battu, j'ai traversé la Méditerranée, le désert. Donc ne me jugez pas. Voilà, allez juger les gens que vous devez juger. Ceux qui gèrent les derniers publics. Voilà. Au moment où je paye les impôts, voilà les impôts, je paye. Voilà. Ça, c'est mon attestation de non-redevance. Voilà, c'est pourquoi je dois parler fort. Je suis chef d'entreprise. Voilà. Je vends le jus de canne. Où est ton problème? Mbutman. Voilà. C'est pourquoi je dois donner l'opinion sur mon pays. Parce que je dois connaître où les impôts, que je paye tous les mois, où ça va. Ok? Allô, Manso. Pas la gang qui a 15 ou qui a près de 15 ouvriers, toi c'est qui? Je dois parler fort. On est dans un pays où on laisse la place à n'importe qui. Je vous ai dit, on doit s'imposer dans ce pays. Voilà, bah, c'est un pays où on laisse les gens ne parler. Vous voyez les gens qui sont à la télévision, ils parlent alors qu'ils dorment chez leurs parents. Non, tu peux pas parler fort alors que tu dors chez ton père et ta mère encore. Tu veux t'asseoir devant les gens? Non, quand tu aspires au bonheur, quand on dit que s'engager en politique. Si tu t'engages en politique, c'est pour aller servir les gens. Ça veut dire que tu as le destin des gens dans ta main. La maison n'est pas une fin en soi, comme certains gens le disent. Mais si tu t'engages déjà dans certains mouvements, dans certaines actions, comme la politique, tu dois dire où tu habites, quel que soit ton âge. Et on parle comme ça là. Que non, je ne suis pas d'accord. Va te faire foutre, mon cher ami, Mboutman. Donc tu vas vouloir devenir président du Cameroun. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison. Ah, ok. Quelqu'un a dit que pourquoi
n'est pas tel, n'avait pas de maison. Mais c'est pourquoi nous, on reste un pays dans le sous-développement et trop endetté. Pays pauvre, trop endetté. Pays pauvre et très endetté. Tu ne peux pas aspirer, tenir le destin des gens. Hein? Tu ne peux pas vouloir être président d'un pays. Tu n'as pas le carabot. On t'a dit maison, ce n'est pas un château. C'est même le carabot. C'est le carabot que tu dois avoir, Mboutman. Tu aspires tenir le destin des gens. Quand on veut servir les autres, on doit être soi-même prêt déjà à se servir. Tu peux pas vouloir dire que tu dois aider les gens alors que ta propre vie n'est pas aidée. Quand on va en politique, c'est pour servir les gens. C'est pour servir ceux qui t'ont élu. C'est pour servir une nation. Donc de grâce, on doit faire preuve d'exemple. Absolument. Je vois certaines personnes là, non, tu viens, tu vas m'insulter comment? Je suis dans ma maison. Adef Malon. Allez, tchof au long. Allez, tchof au long, dis-moi. Mais oui, est-ce qu'il y a un problème? Mais c'est ça. Ça veut dire que si moi, en bagage diaspora, je deviens président. Mais attends, tu connais là que j'ai la maison? Tu connais que Adel Long? Mais oui. Tu dois quand même avoir le minimum. Donc, ça dit, c'est quand je deviens président que je ne peux pas construire la maison. Non. C'est pourquoi vous voyez les gens partir s'accrocher à Etoudi. Ils ne veulent pas quitter là-bas depuis des années. Mais oui, parce que c'est une belle maison. Il faut rester là-bas. On ne paie pas l'eau, on ne paie pas la lumière. Vous parlez un peu comme ça là. Et quand on doit mettre quelqu'un qui n'a pas de maison à la tête d'un pays, c'est comme ça que le pays là va finir par devenir un pays pauvre et très endetté. On connaît la suite. C'est pourquoi le rêve de chaque fonctionnaire camerounais, c'est construire une grosse maison. Tout le monde construit une grosse maison. Une grosse maison, c'est quoi ça? Voilà le président de l'Uruguay. Le président uruguayen. Quelqu'un qui est président, il continue à vivre dans sa vieille petite maison de l'époque. Quelqu'un va te dire que non, en Europe. Non, non, on ne prend pas l'exemple en Europe. Prenons l'exemple de ceux qui sont comme nous. Prenons l'exemple de chez nous. C'est la culture africaine. Nous sommes les Bantous. Nous sommes les Bantous. Les autres peuples, les vieux bien arrangés. Beaucoup d'eux là, les Sarkozy, les François Hollande, ils sont héritiers. Tu peux avoir la maison parce que tu as hérité de ton père. C'est une bonne chose. Mais il faut montrer. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une honte. Hein. Ce n'est pas une mauvaise chose si tu es héritier, tu as la maison. Hein. Il n'y a pas un problème. Ben oui. Je ne suis pas moi jaloux. Je donne souvent les conseils aux gens. Tu vas voir un gars, ses parents ont laissé les maisons. Mais tu as honte de quoi? Mais on t'a donné ta part de maison. Mon père même n'a pas construit. Mon père qui m'a mis au monde n'a pas construit. Et comme son père avait un peu, on lui a donné une maison. C'est là où ma mère vit en Banga. Est-ce une mauvaise chose? Mais tu ne peux pas aspirer. Monter au perchoir. Et ne pas avoir certaines choses. Non, non, ça ne donne pas. Tu quittes. Il faut avoir le minimum. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pour celui qui est fâché, pas tomber dans le lac. Mboupi Pondemso. Voilà, donc appelez-moi pour tous ceux qui ont besoin de produits pour maigrir, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Appelez-moi plus 62 812 125 244 98. Donc j'épingle le numéro. Plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Parce qu'au Cameroun, on laisse la place à n'importe qui. Nama kaolo dat, ali pay impôt. Vous prenez les pay impôts, les gars, top tronc. Vous êtes malade. On sort d'où même là. C'est qu'un pays qui est tout est en l'envers comme ça là même. On admire les gens parce qu'ils parlent bien français. Vous avez vu ça où? Le français a conçu quel pays? Vous êtes malade. Le français a conçu quel pays? Tu parles bien français, oui. Mais tu n'es pas matérialiste, tu ne matérialises pas. Ça sert à quoi? Voilà notre pays, nous sommes en guerre. Où sont les intellectuels? Les intellectuels qui amènent les sujets pour apporter la paix, pour le devant de notre pays, on les met de côté. Mais c'est ceux-là qui sont là pour ramener le monde en arrière. C'est que c'est eux qu'on veut trop les laisser parler. Vous parlez quoi? Tu habites où? C'est comme ça moi je suis. Moi j'ai ma philosophie. Moi je regarde un homme, il veut savoir à un certain âge, dans mon secteur, quoi la vie a fait que non, quand tu veux là parler aux gens, il faut être un exemple. Pas mais t'as soit là, tu t'adresses. Non, je ne te permets pas. Va avoir tous les diplômes du monde. Si on te voit,
Même mes enfants ne te disent pas bonjour. Qu'est-ce qu'il faut avec toi? Allez, je vends les cannes à sucre. Et puis quoi? Et je marche à Mercedes. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est toi qui me donne à manger? Même si un ministre ne vole pas, il n'a pas ça. Mboutman. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, revenons à nos moutons. Comme je disais tantôt, nous devons faire preuve d'exemple avec nos enfants. Arrêtons que nos enfants commencent à diviguer. Voilà. Les enfants qui fuguent, qui fuient la maison, là, tout ça. Il faut faire attention. Et c'est comme ça que cette dame-là, qui est la maman de Didier Arafat, s'est mal comportée avec son enfant. Et c'est comme ça aujourd'hui, là, ce sera une blessure dans son cœur. Mais comme elle est tellement forte, elle continue sa vie. Elle n'a même pas de regrets. Parce qu'elle est toujours prête à régler le compte de chacun. Parce que vous allez voir, tous les problèmes de cette dame-là, c'est parce qu'on dit qu'elle se comporte mal, alors qu'elle est la mère de telle. Elle ne veut pas comprendre ça. Donc, elle continue sa vie comme quand son fils vivait. Les mêmes choses que les gens... Les mêmes choses que Didier Arafat reprochait à sa mère. Même après sa mort, c'est les mêmes choses que les gens reprochent à cette dame. Mais elle refuse de changer. Mais elle croit qu'elle fait du bien à son enfant. Mais non. Elle enfonce plutôt son enfant encore. Elle tue encore son enfant. Parce que l'effort qu'elle doit faire, c'est qu'elle oublie, c'est de perdurer le travail de son enfant, l'image de son enfant. Vous allez voir, elle tire toujours sur ceux-là qui veulent élever l'image de Didier Arafat. Elle oublie qu'il n'y a que les vrais artistes. Elle oublie ça. Si mon enfant meurt, et je me rends compte qu'avant qu'il ne meure, il s'était discuté avec l'un de ses amis. Et que je me rends compte que son ami là est en train d'abattre un grand travail pour toujours rehausser l'image de mon fils. Pourquoi je dois le détester? Si je le déteste, ça veut dire qu'il y a un intérêt quelque part. Ça veut dire que je suis un mauvais parent. Parce qu'à un moment de la vie, il y a des gens, que quand ils font les choses à votre nom, de près ou de loin, vous profitez. Ben oui, de près ou de loin, vous profitez. Parfois, tu fais la vidéo ici, là, tu rencontres quelqu'un quelque part, un fan, il vient là, oh gars, Banga Diaspora, comment tu vas? Ça veut dire qu'il y a toujours un bénéfice quelque part. Ariel Chené chante pour Didier Arafat. Il parle de fondation Didier Arafat. Mais tu viens dans une télévision l'insulter, dis comment il n'aura jamais le talent de ton enfant. C'est quoi ça, une maman? Est-ce qu'il a dénigré ton enfant? Est-ce qu'il a dénigré ton enfant? Donc le gars est en train de continuer à travailler. Il fait revivre ton enfant. Mais tu dois l'acclamer. S'il y a même l'argent, tu dois même le payer. Au cas contraire, tu laisses que les choses se passent bien. L'argent de ça, il vient verser à la maison. C'est tout. Arrêtons de frustrer les gens. Sinon, tu es une maman récupératrice. Ça veut dire que on va beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, les habitudes, on les peau dure. Ah, c'est vraiment... C'est compliqué. Et voilà ce que... Je faisais ce direct ce soir pour dire qu'arrêtons de nous comporter comme des mauvais parents. Parce que ça affecte nos enfants. Et quand nos enfants meurent, c'est une blessure dans notre cœur. Parce que absolument, nous souhaitons enterrer nos propres enfants. Nous souhaitons que c'est nos enfants qui nous enterrent. Autant pour moi, pardon. Dans la vie, chacun souhaite que c'est son enfant qui l'enterre. Personne ne souhaiterait que c'est lui qui enterre son enfant. Ça fait mal. Ça fait mal. Et avoir la chance ou la malchance que tu as un enfant célèbre et qui part à la fleur de l'âge. Mais la seule chose, c'est de perdurer ses œuvres. C'est d'embrasser tous ceux-là qui font des choses pour rehausser. Tu dois être là comme un gardien prêt à écouter. Quelqu'un part, il sonne une chanson. Pas. Parce que les plus grands messages, parfois, c'est dans les écritures. C'est dans la chanson. Tu dois regarder tous ceux qui prennent le nom de ton enfant pour vouloir dénigrer l'enfant, pour prendre sa place. Tac, tu réagis. Quelqu'un ne peut pas chanter, faire revivre ton enfant. Mais tu sors, tu l'insultes. Ça veut dire que tu continues à tuer l'enfant. Au lieu d'acclamer Ariel Chené. Vous savez, je ne m'intéresse pas trop à certaines choses. Mais je fais ce direct,
Je profite d'un cas pareil pour parler à certains parents. Parce qu'on voit encore les parents ici dehors qui traumatisent l'enfant. C'est pas bien. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache. Le père de ton enfant, c'est le père de ton enfant. Ça peut dire qu'il peut partir un matin. En réalité, vous êtes la famille parce que vous avez eu un enfant. Mais en réalité, tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas sa famille. Mais ton enfant demeure et restera ta famille pour toute la vie. L'exemple a montré. Quand tu marches avec tes enfants dans la rue, tu dis voilà mes enfants. Tu dis voilà mes enfants. L'exemple a montré. Quand tu marches avec ton fils, ta fille en route, elle dit voilà ma mère. C'est le jour que le père est là qu'elle présente aussi le père où elle présente. Donc, on ne dit pas que non, le père, non. C'est le jour que le père est là qu'on le présente. C'est le jour où la mère est là, on le présente. Ça veut dire que quoi? Voilà les gens qu'on doit vraiment leur donner notre amour. Nos enfants, nos parents. Et ceux-là aussi qui nous ont donné nos enfants. On ne dit pas que la mère ou le père n'est rien. Mais oui. Mais nous devons donner de l'amour à nos enfants. Parce qu'ils n'ont pas demandé à venir. Et s'ils sont mal éduqués, on doit nous-mêmes nous en vouloir. Ça veut dire que quoi? Ils sont semblables à nous. Une femme comme la mère de Didier Afan ne devait même pas se plaindre. Parce que pour dire de vrai, elle est mal éduquée. Et en Côte d'Ivoire, ils ont peur de lui dire ça. Et c'est pas bien. Et sa femme, c'est quand elle s'enfonce, elle s'enfonce. Et elle risque de détruire l'image de ce garçon-là. Elle risque de détruire. Voilà les Bob Marley. On fait les anniversaires de Bob Marley partout dans le monde entier. Chacun fait à sa manière. Chacun fait à sa manière. Maintenant, c'est à toi maintenant de faire de ton côté bien. Bientôt là même, ne sois pas surpris que les adeptes prennent même le nom de Didier Afan. Ils créent même les églises avec. Tu vas venir faire quoi? Tu vas interdire. Quand on est pauvre, on appartient à sa famille. Dès lors qu'on a réussi, on appartient à la communauté. À la communauté. Voilà. Quand tu réussis dans la vie, tu n'appartiens plus à ta famille. Tu appartiens à la communauté. Au pays même. Quoi que Samuel Eto'o appartient à sa famille. Vous êtes malade. Vous connaissez les gens qui sont morts parce qu'ils partaient voir le match de Samuel Eto'o. Vous connaissez les gens qui ont perdu les pieds parce qu'ils partaient voir Samuel Eto'o. Ça veut dire que si Samuel Eto'o fait quelque chose qui est bien, j'acclame. Si Samuel Eto'o fait quelque chose qui est mauvais, je lui dis. C'est comme ça. Donc son frère va venir me dire que non, ne parle plus, tu es malade. Samuel Eto'o n'appartient pas à sa famille. Il appartient à tous les Camerounais, à tous les Africains, au monde entier même. De ça qu'il s'agit. Moi voici. Mon fils s'appelle Barbo. Hein, dans l'acte de naissance. Ma fille s'appelle Mandela. Dans l'acte de naissance. Donc j'ai donné le nom de mon fils. Barbo. Parce que je suis fan. J'ai donné le fils de Nelson. Le nom Nelson Mandela à ma fille. À ma fille, pas à un garçon. À une fille. Parce que c'est le moment qu'elle était, quand on était enceinte d'elle. C'est au moment que Mandela est mort. Et j'ai décidé. J'ai dédié le nom de ma fille à Nelson Mandela, à Mandela. Donc tu vas venir me dire demain que si tu es malade dans ta tête. Il faut arrêter ça. C'est les hommes qui élèvent quelqu'un. Et Dieu, ce n'est pas sa famille. Ce n'est pas sa famille. Voilà un enfant qui se plaignait dans la télévision, partout. Non, il n'a jamais eu les jouets parce que maman n'était jamais là, tout et tout. Oui, papa s'occupait du showbiz. Mais maman était où? Maman était où? Une maman qui a passé sa vie à traumatiser son enfant. Elle doit se sentir coupable. Mais tout ce qu'elle fait, c'est sortir. C'est toujours vouloir couper le lien. Alors qu'elle-même n'est pas catholique. Elle n'est pas catholique. Elle fait partie de ceux-là qui ont traumatisé son propre enfant. Et c'est pas bien. Arrêtez ça. Vous avez compris, non? Arrêtez ça. Voilà. Il y a des problèmes que même la mort n'arrange pas. Et je suis sûr. Si Didier Afan était en Europe là, c'est qu'il a déshérité sa mère avant de mourir. Je suis sûr de moi. Comme les Michael Jackson, non? Il a donné quoi à son père? Il a donné tout à sa mère. Donc que ça nous serve de leçon. Apprenons à bien prendre ceux qui sont à côté de nous. Il y a des gens ici dehors qui déshéritent leur enfant. Je connais un milliardaire dans le Mungo là-bas. Que son fils, l'un de ses fils était mon ami. En mourant, il a déshérité l'un de ses enfants. Il a déshérité, donc tu ne dois rien prendre. Parce que tu as intenté à sa vie. Parce que tu te comportais mal.
Le père de Michael Jackson insultait beaucoup Michael Jackson. Il faisait des choses qui ne plaisaient pas à l'enfant. Faisons beaucoup attention, les gars. Donnons vraiment de l'amour à ceux que nous aimons et à ceux qui sont proches de nous avant qu'ils ne meurent. Donc voilà,